Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les récompenses Division Rivals et les récompenses Fut Champion. Cette fois-ci, je le ferai en une vidéo. Hein. Je ferai pas une vidéo avec les récompenses Rivals et une vidéo avec les récompenses Fut Champion. Voilà, je voulais faire ça la semaine dernière parce que ça pourrait un petit peu changer. Donc voilà. Et donc, on va ouvrir les récompenses Rivals. Donc là, il est 14h24. On ouvrira les récompenses Rivals là et on ouvrira les récompenses Fut Champion donc ce soir à 20h. Allez, c'est parti pour les récompenses Rivals. Alors c'est parti, donc normalement on est rang 2. Tout à fait, on est rang 2. On est rang 2. Bon les gars. Alors je sais pas si c'est rang 2, ça, si je sais si c'est. Je crois que c'est rang 2. Si je me trompe pas, si c'est rang 2. Bon les gars, on a 50 000 crédits. On a un pack Jumbo Premium Or, un pack joueur rare et un pack méga. Ou sinon, on a deux packs non échangeables Jumbo, deux packs méga non échangeables, ou deux packs de joueurs, enfin deux packs joueurs rares non échangeables. Les gars, j'ai hésité à. Je crois que je prends les crédits. Là, bon, j'ai 521 000 crédits. Donc, après, il y a une belle équipe de la semaine. Il y a aussi les thématiques rimes aussi. Donc, on peut essayer de packer du lourd et essayer de revendre. Donc, on peut essayer d'avoir plus que 50 000 crédits. Donc, je pense, les gars, on prend l'option 2. Il y a quand même des bons packs. Donc, on prend l'option 2. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Donc, un pack jumbo, un pack joueur rare et un pack méga. C'est bien ça. Donc, c'était bien rang 2, tout à fait. J'ai pas pu rester rang 1. C'était un peu dur. Donc, voilà. 160 points qualifiés de champion. Ok. J'ai fait aussi des améliorations Ligue des Champions qui sont là, j'en ai fait 4. Donc j'en ouvrirai 2 là. J'en ouvrirai 2 pour les grandes récompenses du rival, si j'en ouvrirai 2 pour les récompenses du champion. Voilà, donc ça moi ça sera pas mal. Donc on va commencer par le premier pack, le pack Jumbo Premium Or. Attendez, avant je vais vous montrer l'équipe de la semaine. Il y a un joueur qu'on voudrait les gars, c'est lui. C'est Kenny Dalla, il a une carte de ouf. Il a une carte de ouf. C'est limite le meilleur arrière-droit du jeu avec Kyle Walker. Franchement, il a une carte de ouf. Il vaut pas trop cher, je crois qu'il vaut 30K. Je sais pas s'il a baissé, donc faudra voir. J'ai regardé pour le coup s'il a baissé ou pas. Ouais, il y en a 49 000, 42 000, ouais, donc ouais, c'est un peu baissé quand même. Ok. On a qui d'autre? Il y a Pickford. Pour une première ligue, ça peut être sympa. Il y a Mahrez. Et en plus, il est OTW, donc ça peut être sympa. Pour ceux qui l'ont, je pense que ça peut être sympa. Il y a Lewandowski. Alors, je sais pas combien ça coûte Lewandowski. 300. Là, je pensais que ça allait valoir plus cher que ça. Mais non. Ok, bon. Si on pack Lewandowski, on est bien. Il y a Di Maria. Pour l'Orange Liga, ça peut être sympa parce qu'il joue à gauche. Donc là, pour le coup, c'est intéressant. Ça offre une autre alternative à Neymar. Ce qui est Neymar, il est un peu cher. Donc, voilà. Donc, ouais. Donc, ça peut être sympa. Il y a Martial aussi. Martial, ça vaut combien Martial? Ça vaut 200 et quelques, ouais. Ok. Il y a Vincino aussi. Vincino qui est pas une carte dégueulasse. Pour une Serie A, je pense que ça peut être sympa, peut-être. Je sais pas. Voilà. Et puis c'est tout. Pour les autres, c'est pas ouf, quoi. Et sur le banc, bon, on n'a pas de joueur d'ouf. Il y a Emiliano Sala, bien sûr, de Nantes. Bon, pour l'Orange des Gains, c'est pas ouf parce qu'il n'a pas une carte. Il n'a pas une carte de fond vitesse, donc voilà. Et puis voilà. Et puis il y a aussi les Ultimate Scream aussi. Donc il y a du lourd. J'ai pu tester quelques cartes en draft et il y a quelques cartes qui sont sympas. Donc, sauf pour un pack une, ça pourrait être sympa. Ouais, pack Jumbo. Est-ce qu'on pourrait commencer par une animation? Ce serait bien. Oh oui, on commence par une anime, les gars. On commence par une anime. Et c'est 86. C'est anglais, lui c'est Harry Kane. C'est Harry Kane. Let's go les gars, c'est Harry Kane. Là, pour le coup, ça nous met très 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 bien. Bon, on va le vendre hein, parce qu'il ne pourra pas être dans notre team parce que j'aime pas vraiment le joueur. Mais il va nous mettre très très bien. Je sais pas combien ça doit coûter. Ça doit coûter peut-être dans les. Peut-être, ouais, je sais pas combien ça coûte. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai pas du tout regardé son prix. Donc, on va voir. Et là, ouais, ok. On va voir combien le prix d'Harry Kane. Ouais, les gars, 138. Ah, je prends. 100, 138 000 crédits, ouais, j'ai vu. Hein, 134, ouais. Autour de 140 000 crédits, on va dire. Ah, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Là, je prends. Là, ça va me mettre très très bien au niveau des crédits. Hein, donc, ouais.
Là, ça va me mettre très, 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 très bien. Impec. Franchement, impec. Hein. Donc, après, on peut courir, il n'y a pas des joueurs douces à côté. Malheureusement, peut-être des doublons. Il y a un doublon. Un doublon. Et c'est Dos Santos. Ok, bon. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Bon, on a eu Hurricane. On passe plein. On passe plein. Bon, on va ouvrir le pack Mega. On aura le pack joueur rare après, je pense. Même si le pack joueur rare est moins cher que le pack Mega, je pense. Mais bon, j'ai calculé des joueurs. On règle le pack Mega. Allez, c'est parti. Allez, deuxième grosse anime, ça serait bien. Une deuxième grosse anime. Malheureusement, pas de deuxième grosse anime. On aura peut-être une animation quand même. Et allez, pas nous. Ça sera Dzeko. Dzeko. Dzeko, c'est pas dégueu. 85 de général, les gars. 85 de général, Dzeko, c'est pas dégueu. Franchement, là, je prends. Ça t'a coûté peut-être un peu en plus. Même Farid, il a pas une... Il a une belle carte, hein. Il a pas beaucoup de vitesse, mais. Et ça peut cacher la porte, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va voir le prix de Dzeko. Simule crédit. Simule crédit, Dzeko. Oh, c'est pas dégueu. Je garderai peut-être pour des SBC, peut-être. On va. Enfin, je dis 6000, ouais, il y en a, ils mettent à 5000, à 5100, ouais. Peut-être dans autour de 5000 crédits. Hein. Ouais, 5400, voilà. Ouais, ça faisait autour de 6000 quand même. Donc, voilà. Et à la porte, peut-être que la porte, ça vaut un peu. Non, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. On a 7 doublons. On n'a pas de joueur de Ligue 1, malheureusement, pour les petits SBC Ligue 1. Donc, Et on a Mousselera. Ok, on a Mousselera. On a qui? On a Valérie, on a Coco. Et on a Unai Emery. Ok. Unai Emery qui cadre même avec Arsenal, pour le coup. Allez, un boost ou un Ultimate Scream, ça serait bien aussi. Oui, grosse anime, les gars, encore. Grosse anime, grosse anime. Oh, c'est un boost, c'est un boost. Vu que c'est un gros anime, c'est du lourd. Martial. Let's go, les gars. Let's go, Martial. Mais je prends. Je prends, les gars. Martial. Mais let's go, putain. Par contre, ouais, 85 de général, ils m'ont mis le truc qui est. Ouais, c'est bizarre. Ah, peut-être que ça cache de l'eau, peut-être derrière. Peut-être pour ça. Peut-être pas lui qu'il y a peut-être la grosse anime. Il y a peut-être derrière, peut-être, les gars. Donc derrière, il peut peut-être avoir Cristiano, Messi. Il peut avoir du lot. Mais Martial, je prends. Je prends. Franchement, je prends. On a Carvajal, les gars. Bon, ça va. Franchement, bon pack. Martial, Carvajal. Franchement, je prends. Bon, bah, beaucoup, bah, c'est la grosse anime. Si je pense que c'est Martial, hein. C'est bizarre, hein. Pourtant, c'est plus de 86, si je me trompe pas. Donc, ouais, bah, pour le coup, bah, je prends. Je prends, je prends. Ah, Martial, ça nous met très, très bien. Parce qu'il a, il a une belle carte, mais je pense pas que je vais l'utiliser. Malheureusement, je pense qu'on le vendra. Parce que. Ouais, 214. Allez, les gars, avec Harry Kane, Martial, on se met très, 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 très bien. Là, on se met à 300 000 crédits large. Carvajal, ça vaut combien? 2700, ouais, ok, ouais, ça vaut pas trop trop cher. Ouais, 4000, hein, je vois les 4000 aussi. Ouais, ok. Ok. On a Partey aussi, Partey ça t'a coûté un peu peut-être, je sais pas. Non, ouais, pas ouf. La Zambonguissa, il y a une carte pas dégueu. Bon, après, bon. Ils cartonnent pas trop à celui-là pour le coup, hein, la Zambonguissa. Ils sont pas très très bien, puis là, ils ont acheté beaucoup, mais ça prend pas. Donc voilà. On ouvre un pack des champions. Allez, allez, on grosse anime encore, les gars! Mais c'est quoi ça, ce pack? C'est quoi ce pack à pony? Ah, c'est Pjanic, Pjanic. Pjanic, pas mal. Non, pas mal, pas mal. 37 de général. Bon, c'est bien vendable, les gars. Bon, c'est bien vendable, mais ça peut cacher quelque chose derrière. On a eu Santon, ok. Bon, Santon, bon, bah, Syria pour le coup. Bon, bah, pas mal, Pjanic. Pjanic, pas mal, pas mal. Peut-être pas, je l'utiliserai pas, peut-être pas, mais pour un SBC. Je pourrais peut-être le mettre dans un SBC, donc voilà. Bon, pas de grosse anime, malheureusement. Mais une animation, quand même. Falcao? Ah, non, c'est Cuadrado? Ah, bien! Elle la joue. Pjanic, Cuadrado. Pas mal, les gars, franchement, on est très très bien. En plus, je kiffe bien Cuadrado. Bah, du coup, il pourra peut-être être en Super Sub dans mon équipe future, pour le coup. Et on a aussi Mbolo, qui a pas une carte dégueulasse. Mais en plus, ouais, il a 4 automobiles et puis moi, il n'a pas de geste technique. Donc, Cuadrado, il est pas mal, lui. Ouais, très très bien, les gars. Franchement, j'ai pas un plan. Hein. Et voilà, les gars. Donc là, on est pour les récompenses Fut Champions. Donc, c'est parti. Donc, on a fait hors 2. Malheureusement, on a un peu craqué. Donc, on a fait hors 2. Donc, on a un pack hors rare.
deux packs Megara, donc 45 000 crédits. Et on a deux choix joueurs parmi l'équipe de la semaine. Donc on espère avoir encore un peu de chance, hein, vu qu'on a déjà des bons joueurs. Donc là, il faudrait un Di Maria ou un Kayle, ou un petit Kenny là, ça serait pas mal. Allez, c'est parti, premier joueur choisi. Allez, donne-moi un bon joueur. Ça va, on va dire que ça va. On va dire qu'il y avait une Chino. Bon, il n'y a pas d'autres joueurs, mais bon, il y a des joueurs à 83 et des joueurs à 84. Les gars, on prend qui? Benchino, il est pas dégueu, faut voir ses stats. Il a 4 gestes techniques, ouais. Faut voir ses stats. Ouais, c'est pas trop dégueu. Ouais, c'est pas trop dégueu, c'est quoi? On a Fabian, tenu du Napoli. De Napoli, oui, du Napoli, c'est ça. Il a pas une carte dégueulasse, il a quoi comme. Il a 14 gestes techniques, très bon objet. Pareil que Benchino. Lui, il est gaucher en plus. Même s'il a pas un. Même si c'est pas le plus gros jeune, on prend le plus gros quand même. Allez, putain, un petit Kenny Lala, je demande juste Lala, ce serait bien, ce serait bien. Il a 84 de général en plus, il y a moyen de l'avoir, il y a moyen. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui! Yes! Kenny Lala! C'est ça, les gars! Bien joué! Voilà, ça, on n'aura pas besoin de l'acheter. Et on l'a là! Ah, je vais prendre direct. Ah, là, je cherche pas à comprendre. C'est là une carte de port, donc. Ah, là, je suis content. Ah, là, je suis content. Là, je me dis qu'en plus, cette carte, je pourrais l'utiliser toute l'année pour l'Eurogigue, hein, et pour Footchamp. Donc, là, pour le coup, c'est impeccable. Allez, c'est parti. Allez, une grosse anime, ce serait bien. Non. Pas de grosse animation. Pas d'anime. Ce sera un gardien espagnol, ce sera Iker Casillas. Ok. Pas de grosse anime, pas de grosse anime. Mais on a une animation quand même. Espagnol, gardien. Alan. C'est pas ouf, Alan. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Putain, il n'y a pas de grosse anime, les gars. Ah, non. Bon, après, on passe plein. Ah, bon, on a fait une animation quand même. Non. Ah, Rodrigo. C'est pas mal. Rodrigo, il a une belle carte. Je sais pas s'il coûte cher. Pourquoi c'est pas dégueu. Heureusement, on n'a pas de grosse anime. Oh, on a les Kovacic. Ah, pas mal. Lui, par contre, il doit coûter un petit peu. Kovacic, il doit coûter. Ouais, 4 000 crédits. Ok. 4 000 crédits, Kovacic. Il y a eu d'hier, on a eu Arias aussi. Ah, pas mal pour ma petite Liga aussi. Tu pourrais peut-être le mettre à la place de Sergio Roberto. On a Yedlin aussi qui est pas dégueu. Il doit avoir il doit coûter un petit peu. Ouais, 1 100 crédits, ok. Et Rodrigo, il coûte combien? Ouais, 2 200 crédits, ouais. 3 700 aussi, ouais. Il met peut-être 3 700. Ok. Bon, ça va. Pas de grosse animation. Et pas d'anime non plus. Croate, BU. Kalinic. Kalinic de l'Atlético de Madrid, ok. Pas de grosse anime. Et pas d'animation non plus, voilà. Les Gutiérrez, ok, bref. Voilà les gars. On a eu quand même des bons joueurs. Ariken. Martial Boost. On a eu du Dzeko, du Pjanic. Ligue des Champions, du Cuadrado Ligue des Champions. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Après, les récompenses du champ n'ont pas été à la hauteur. Donc, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Essayer de faire élite. Ça serait bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Mike OM. Ciao!